Il y a plus d'un an, nous sommes rencontrés ici. C'était oui. Un jour de brume. J'ai dit Michel, puisque nous avons un peu débuté ensemble dans la vie, moi avec le cinéma et toi avec la musique, oui. Nous on va faire un film ensemble. La brume du matin, quand l'aurore se met à nous parler de la santé. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, très bien. Je sais le bonheur d'avoir ton regard sur ma vie. D'être les autres, me saute à la figure ce souvenir que quelquefois, lorsque j'écris, comme ça, je suis seul ici dans cette pièce au piano, et tout à coup je rêvasse un peu, je me laisse comme ça, transparent, disponible, et tout à coup je me mets à écrire quelque chose, j'écris, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je m'éveille un peu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je t'assure que ce n'est pas moi, parce que ça ne ressemble pas du tout ni à ce que je cherchais, ni à ce que j'ai écrit auparavant. C'est quelqu'un d'autre. Et je sais que ce n'est pas moi. Mais que tout à coup, il y a des choses qui se promènent dans l'air comme ça et qui te font écrire des choses. Et ça m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour. Est-ce que tu as de la facilité? Oui, c'est-à-dire que dans mon exigence que j'ai avec moi d'abord et comme je l'ai avec les autres ensuite, c'est j'ai une facilité de technicien, de rigueur. Je travaille toujours, je compose toujours, je travaille mon piano toujours. Ce qui fait que le jour où je cherche quelque chose, je dis tiens, j'ai envie d'écrire une chose comme ça, le puits que j'ai pompé toute ma vie, l'eau, est à ras-bord en haut. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de travailler comme une bête pour faire monter l'eau de mon puits jusqu'à la surface. Elle est en surface tout le temps. Alors, quand je veux quelque chose, j'ai fait un tout petit coup à donner et l'eau ruisselle de mon puits. Mais à la condition que j'y travaille jour et nuit. C'est ça, je veux dire. Alors, j'ai de la facilité parce que je suis prêt. Thank you.
That was beautiful. That was really something. Wow, yeah, yeah. Oh, c'est formidable, belle. Good. How are you? Hi. Good? Oh, you're good. Good. Great. You too? Yes, I'm good. Hi. François Reichenbach. Ah. I'm sorry, Oh, it's a pleasure. Alan Bergman. Enchanté. Enchanté. Now I'm going to be the man who had words. Wait. Thank you, Nicholas. Why, where we are is where we've been. About the end of this song for so long. Yeah, that time it worked. We shouldn't change anything. It's beautiful. I love that very much. Because there was always a question whether the end was clear. I mean, yes. Whether the last line was clear. To me, it is absolutely. Even in English. Well, maybe there's a mustly of missing. Where? Like, you know, in every moment, every time we live a moment of our lives, we must care. What happened is this. First, I want to present Marion Bergman, Alan Bergman, and they are my very close friends since more than 30 years. No. More than 30,000 years. In the cradle we met. Yes, in the cradle we met. You know, we're looking out because we're going to record it pretty soon, I hope. I hope. And so we want to fix everything. And this song, Wait, is really a grown-up person who start to know about life and, you know. Forever done and be it's ever. Start from here. Start from here. Oh, it's too low for me, so I'll do. Wait for me, I'll do. Oh. Wait before we take another breath. Before you take your lips away from mine. Is where we've been. Oh, when you're in love, where we are. When every smile and every kiss, you know, so mean, and we won't let.
So, Hank, I just want to say a few words about you. I mean, you know, I would love to say a lot of words about you. But a few words would be Hank Mancini, my friend. Is he listening to me? Yes. Just keep your mouth shut. and listen to me. I'm telling you something. If you want to get ahead in this business, yeah. You know what you have to do? Yeah. You got to be good. Yes, that's right. Yeah. You got it. Come on, get serious, Michel. Oh, it's not a comedy. It's almost impossible. I tried for years and years. It never worked. I helped you get your first Academy Award. If it weren't for me, you wouldn't have got that. Really? Yeah, because Norman Jewison yes. called me. Yes. I don't want to make you feel bad. Yeah. But he called me to do the Thomas Crown Affair. Yes. And I was very busy at the yeah. time. It was right in a bad time. Mm-hmm. And I said, I don't think I can do it. Yeah. You know, and then he said, well, who can I get? And I said, well, this young French kid around, you know. Oh, that's great. And... So as I didn't know that. You didn't know that. Oh, that's beautiful. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant. Oui, c'est moi. Où avez-vous trouvé cette partition? Dans la rue. Je l'ai cherchée partout. Moi aussi, je vous ai cherché partout. Jacques, and you? Then, the young girls of yes, Rochefort. That's right. Demoiselle de Rochefort, we came we here. We had so much fun. Oh, that was a beautiful so time. So much fun. So beautiful much fun. Time. And I wish we could do those things again. Starting a new one pretty soon. Oh, that's good. I'd love to do it. That's good. Yes. Beaucoup de travail, hein? Oui, mais c'est passionnant. Oui. Passionnant. Pour moi, c'est toujours la chose que j'ai vu. Jamais, jamais acteur. Ce non. C'est pas être sans pour moi. J'adorerais bien de faire la mettre ensemble. Tu connais la maison des nains? Ah non. Tu connais? Alors je vous emmène là. Il y a une maison, et cette maison, je veux l'acheter depuis 20 ans. Je surveille, elle n'a jamais été à vendre encore. Je surveille le jour, mais c'est une maison qui est faite à la Walt Disney avec les murs comme ça. C'est vraiment pour les sept nains de Blanche-Neige. C'est un rêve d'enfant, quoi. La vie n'est faite que de rêves. Ma jeunesse,
jeunesse dans mon cœur. Je ne l'ai jamais trahi, ma jeunesse. Et tout à coup, les choses peu à peu, comme une espèce de spirale, se sont emparés de moi et disent, bon ben maintenant il faut que tu essayes ça, maintenant il faut que tu essayes ça, maintenant il faut que tu ailles ici. Et comme ça, dans un crescendo, vois-tu, d'exigence, qui m'emmènera je ne sais pas où, et c'est pour ça que c'est jamais fini, parce que j'ai l'impression de n'avoir rien fait encore. J'ai l'impression que ce que j'étais éventuellement fait pour venir sur Terre pour faire, je ne l'ai pas encore commencé. Ce qui me réjouit, car je sais qu'on ne meurt que lorsque son œuvre est terminée. Mozart avait tout fait à 35 ans. Moi, j'ai pas commencé encore. C'est très joli, très joli. Tu aimes tes instruments? Ah ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup. D'abord, moi, j'ai des pianos ici de tout format, de tout poil. Et vraiment, je les aime. Je les aime comme j'aime un frère, un ami. Mais j'aime aussi tous les instruments de musique. C'est une merveille de voir des formes étranges, droites, tordues, qui se jouent comme ci, comme ça. On souffle dedans. Il sort une chose miraculeuse, ouais. Et alors, c'est encore plus beau, car il y a des milliers sur Terre de gens qui ont étudié ces instruments et qui les jouent à la perfection. Ça, c'est beau. Pas le casque. Ils veulent pas casquer. Hein. Ah.
en a trop maintenant. À la mesure 49, c'est piqué. Écoutez, je vous parle en principe. C'est pas à vous que je m'adresse. À la mesure 49, c'est piqué les triplettes. Pop, pip, pop, pip. OK. Right. C'est parti. Un, deux, trois. Tes enfants? Oui, oui. Est-ce que tu as une faiblesse pour une certaine de tes enfants pour, Mais tu sais, non. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que lorsqu'on est à l'orchestre et qu'on dirige des gens qui sont la plupart du temps plus âgés que moi, on les appelle toujours mes enfants. Dites-moi mes enfants, tu dois faire pareil. Dites donc les enfants. Les enfants. Pourquoi? Mais non, mais... Il croit que c'est 4, 7 et 3. Mais non, non. Mais pourquoi? Non, c'est 8 et 7. Bon, ça peut être... Voilà. Là, il est en 4, bon, d'accord. 7 et 3. Alors, je reprends ici, hein. Thank you.
Oh, il est beau celui-là, hein, il est joli. Comment il est pour vous? Que j'entends partout, il est bien pour vous. Ok.